Everybody makes mistakes. Yeah, 'cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est lundi aujourd'hui, c'est parti pour une nouvelle semaine de travaux. Alors, Greg est déjà en train. Enfin, je me suis réveillée à 6h30, il était déjà en train. Il est en train de faire les enduits. Comme ça faisait pas de bruit, il s'est dit au plus vite c'est fini, plus vite on est tranquille. Non, mais en fait, je suis tranquille. En fait, il s'est dit que pendant que. C'est même pas ce que tu t'es dit. Non. C'est que comme ça, pendant que les enduits sèchent, il va pouvoir aller à la déchetterie et puis commencer à taper pour faire les évacuations. Et puis tu t'es dit que peut-être que ça sera sec tout à l'heure et que tu vas pouvoir poncer. Ben, voilà, c'est pour gagner une journée quoi en fait. C'est aussi pour être plus tranquille aussi, on va avouer. Mais bon, c'est aussi c'est pour avancer plus vite. Alors, moi je vais continuer un petit peu le... l'arcade, essayer de redonner une petite couche pour bien finir l'arrondi. Et puis là, Greg est en train de mettre le calico au niveau du plafond pour pouvoir enduire ensuite. Ça commence à faire... C'est marrant hein, parce qu'une fois que les trous sont rebouchés et tout, la pièce fait toujours tout de suite plus nette. Et puis ça finit en fait, les murs comme ils sont... On avance. Attends, je tiens. Hop. Allez. Première couche d'enduit de fini, de partout. Ouais. J'ai rectifié un petit peu l'arcade. Greg s'est occupé du plafond. Mais tout est fait. Alors, je vais essayer... Alors, il y aura encore du travail, hein. C'est surtout au niveau des... d'ici, en fait, au niveau de l'arcade. Je peux pas trop mettre d'enduit tout de suite. Et un petit peu là. Et puis, il va y avoir aussi du travail aussi à l'intérieur, du coup. Mais, ouais. Mais je suis contente du résultat. Alors, là, Greg est parti à la déchetterie. Remettre tout ce qui était tout ce qui restait et logiquement après manger il va se commencer à s'occuper de la des canalisations et puis après on verra si c'est sec, s'il peut poncer ou pas, à voir quoi en fait. Moi cet après-midi il faudrait que j'essaye d'aller faire 2-3 courses aussi pour les repas de cette semaine. À mon avis cette semaine on va encore être bien dans le... surtout que là ça va être le ponçage et tout. Ah, de la poussière. Je pense que Greg va mettre un film, vous voyez, de la toile, enfin de la, du plastique pour essayer de calfeutrer. On va se servir du cassé du coup du plafond pour essayer de cacher un petit peu, de calfeutrer, mais je sais que ça va monter de partout. Hein. Ça va aller de partout, ça va passer, mais bon, c'est pas grave. C'est juste 2-3 jours. Et après, une fois que c'est poncé, on va mettre en peinture et puis nettoyer à fond la maison parce que il faut que quand on fait le béton ciré, que la maison soit propre. Propre parce que si c'est pris dans une cochonnerie qui est prise dans le béton, ça va ressortir quoi, en fait. Donc voilà.
ça devient bon. Greg hier il disait oui, il y en a encore la moitié et tout, mais ça devient bon. Hein. C'est là les enduits et tout, c'est du travail, mais ça va vite. C'est pas comme avec les placos et tout. Là en fait en 2-3 jours logiquement les enduits sont faits, la peinture en une journée logiquement ça devrait être fait. On va faire le plafond aussi, le mettre en peinture aussi. Donc logiquement en fin de semaine on devrait être au sol, et une fois que le sol est fait, ben après c'est les voilà, c'est les meubles, c'est la déco. Et puis là, comme hier Greg disait, ouais le parquet, on a du travail et tout, mais pour moi ça fait partie de la déco quoi, en fait, le béton ciré, parce que voilà ça va finir, c'est comme quand on finit le sol, c'est que voilà hein, c'est la fin. Et bon, je suis contente déjà là avec commence à bien voir. Elle va être longue la cuisine. Ça va me changer. On vient de finir de manger. Alors on a mangé des crêpes farcies ce midi. Là, Greg va attaquer. Ce qu'il vient de me dire, appréhende le plus. Alors pas pour le travail ou quoi. C'est parce qu'il va devoir taper. Et il sait qu'il va avoir... il va avoir des... Ça va sentir les égouts. Dans toute la maison. Ça va être très agréable. Ça va, il fait pas chaud. Donc là, il a coupé l'eau. On a dit à tout le monde d'aller faire pipi. Papa, parce que plus de toilette. Hein? Plus de toilette, plus d'eau. Bon, encore pipi, ça peut attendre de tirer la chasse. Mais le reste, faut attendre ce soir. Si c'est remis. Ah bah, tu remets l'eau quand même pour ce soir, chérie. Tu vas trouver une soluce. Et là, je pensais pouvoir commencer un petit peu, mais on voit que le temps est très humide. C'est, ça a du mal à sécher. L'enduit a du mal. Ah, putain. Donc, ouais. Bah, c'est dans les tuyaux, chérie. C'est ce qui reste dans les tuyaux. Tu veux une bassine? Attention, Marley, bouge. Il a commencé à taper. Du coup il a retrouvé ses tuyaux qu'il avait passés, et ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir les récupérer, il va falloir juste les... on n'a pas besoin de faire des branchements et tout. En fait l'évier va aller là au lieu de là. Donc du coup il y a juste à... enfin juste entre guillemets hein. Mais ce que je veux dire ça, c'est que c'est du travail en moins. Là il y a juste à faire la refaire une saignée quoi en fait, et puis voilà. Et puis par contre il faut qu'on essaie de récupérer l'évacuation. Et retrouver du coup le truc pour le... Ça commence à sentir. Oh. Alors, vous... Je vous dis pas l'odeur dans la maison. Greg a été chercher un coude parce qu'on s'était trompé dans le coude. En fait, il voulait pas un angle à 90 pour que ça soit bien incliné et qu'on n'a pas de souci de bouchon et tout. Vous voyez, quand on met un... en fait, c'est des tuyaux d'évacuation. Quand on met un tuyau d'évacuation comme là à 90, il risque d'avoir des bouchons ici. Il faut mieux mettre un coude. Alors ça, c'est notre ancien. Vous voyez qui... C'est un peu plus allongé quoi en fait. Et puis avoir une pente au niveau du tuyau d'évacuation. Donc on s'était trompé. On avait pris un angle de 60, c'est ça? 60, mais en fait c'est un double qu'il faut pour. Parce que notre tuyau allait comme ça en fait. On avait le tuyau qui descendait bien, mais le tuyau qui sort là où on va mettre les tuyaux d'évacuation du lave-vaisselle et de l'évier, et ben il partait comme ça, et en fait il nous manquait ces deux coudes de 45 en fait qui font sûrement. C'est une erreur qu'on a fait, on a mal calculé, on a mal géré, mais bon du coup il a été chercher un magasin, chercher deux coudes, et là c'est bon, et là la pente elle est bonne. Du coup, en fait, on a un truc ici. C'est pour ça que ça sent pas très bon. On s'en est aperçu quand on a fait les travaux au tout début de la maison. On a ce qu'on appelait un regard. C'est ça, hein? Enfin, je sais pas. C'est relié au tout à l'égout, hein, mais voilà. Donc, du coup, c'était simple pour nous. Là, quand on a fait la salle de bain, on a pu se relier directement là. Et là, on a s'était relié aussi. Quand on a fait l'évier, on s'était relié ici aussi. Et puis là, c'est la même chose. En fait, quand on a acheté la maison, c'était carrelé. Mais il y avait comme un petit...
Au milieu du carrelage, en fait, il y avait comme un petit bouton. Je sais pas, un petit truc qu'on devait soulever. Et par curiosité, on a regardé et on s'est aperçu que c'était un truc. Alors, on peut le boucher, il n'y a aucun souci. Hein. Le plombier nous avait dit, enfin, il y en a mon oncle qui est plombier qui était venu et que on lui avait demandé conseil. Il nous avait dit, oh oui, c'est un ancien puisard, je pense qu'il avait dit. En fait, c'est une égout, c'est une plaque d'égout, en fait, qu'il y a là. C'est relié au tout à l'égout. C'est là, en fait, où se sont reliés... pour le tout à l'égout justement. Enfin bref, on s'en fout. Le principal c'est que voilà. Mais du coup ouais, c'est comme si vous aviez un égout là dans la maison qui est ouvert. Donc ça sent pas très bon. Donc là il va finir ça et puis on va pouvoir reboucher. Et puis ben, je pense qu'on va devoir faire. Je sais pas si on va pouvoir faire le béton aujourd'hui, mais au moins reboucher. Si enfin, tu vas le faire. Demain, horriblement mauvais. Mais c'est vrai que là ça pue là, c'est une horreur. Oh là là. Pff. J'essaye de pas respirer par le nez en fait depuis tout à l'heure, mais par la bouche c'est pas forcément mieux. Et là il est rentré, il fait oh wow, qu'est-ce que ça sent. Et je dis ah ouais, mais moi je suis dedans depuis tout à l'heure. Hein. Oui, ça sent. Je confirme. Les tuyaux sont mis en place. On a mis du sable. Enfin, c'est rebouché. Le trou est rebouché. Ça sent meilleur, du coup, dans la maison. On a pu l'impression d'avoir une plaque d'égout d'eau ouverte en plein milieu de la cuisine. Du coup, oui, on a rebouché du sable, de la caillasse pour protéger. Enfin, le sable pour protéger les tuyaux et un peu de caillasse. Et là, Greg va faire du mortier pour venir... mettre au-dessus. Après il va y avoir un réagréage hein, sur le dessus, mais voilà, là on va déjà boucher pour bien sceller tout ça et puis que ça bouge plus. Voilà, bon en fait elle paraît énorme mais c'est pas tant que ça hein. En fait là c'était l'ancien avec les tuyaux et puis là du coup on a dû recasser pour pouvoir mettre les nouveaux. Du coup il n'y a plus de lave-vaisselle au milieu, on a pu l'enlever et c'est vrai que déjà hein, elle fait plus ça fait plus grand. Sans le lave-vaisselle au milieu. Ouais. Il y a un peu plus d'espace. Je vais remettre le robinet. Donc, si je vais pouvoir remettre. Pourquoi ? Tu dois aux toilettes ? Non. Mais de toute façon, tu as besoin d'eau. Pour faire ton mortier. T'en as ? Ah, je sais pas si t'en auras assez aussi. Ah oui, on avait rempli au cas où. Le pire, c'est quand on va faire le sol. Alors, il faudra espérer que quand on va faire le sol, on n'aura pas de la pluie comme on est en ce moment. Parce que là, aujourd'hui, c'est une catastrophe. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on va faire le sol, pour aller dans les toilettes, c'est là où on a fait l'arcade, vous voyez. Donc, comme on va faire le sol, on ne pourra plus passer pour aller aux toilettes. Donc, la solution, comme on a un accès à l'arrière, c'est de passer à l'arrière. Mais ce qu'il y a, c'est que s'il pleut, comme là, il pleut aujourd'hui, quand on va devoir faire le tour sous la pluie pour aller faire pipi, ça va être cool. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever une porte-fenêtre ici, cette porte-fenêtre là, la porte-fenêtre, et on pourra passer du coup en faisant un grand pas pour aller passer au-dessus du réagréage et du béton ciré qu'on fera. Donc ça nous empêchera pas d'aller aux toilettes le soir. Ben, logiquement, ça devrait être sec. Ou au pire, Greg remettra la porte quoi, en fait, une fois que c'est sec. Ce qu'on a pris, logiquement, on a pris du qui sèche assez vite, hein, c'est ça hein, Greg. Même le vernis et tout, à chaque fois on a pris pour que ça sèche vite. Au pire, on commencera du matin de bonne heure et puis pour finir, pour que ça soit sec le soir, quoi en fait. Bon après on a la persienne, donc on fermera la persienne au cas où. Si on peut pas remettre la porte, mais logiquement, il n'y a pas de souci. Mais ouais, faut espérer qu'on n'aura pas de la pluie. 2 à 3 heures, moi. Donc c'est bon alors. Et il faut attendre 8 heures pour poser quoi que ce soit dessus. Oui, non, mais on pourra juste passer peut-être. On pourra remettre la porte. Bon, ça sera pas. La porte, elle sera pas posée. Je commence à 5 heures. Ou à 6 heures. On est dehors. Donc oui, ça posera pas de soucis. Le seul truc, c'est s'il pleut. Voilà. Parce que là, franchement, aujourd'hui, c'est une pluie d'automne, là vous voyez les salles, il fait noir dehors limite, c'est vraiment c'est des grosses pluies d'automne. Franchement là on a un été qui est pourri là, enfin on a crevé de chaud là en juin, mais alors le mois de juillet,
enfin juin, début juillet. Là, depuis que Greg est en vacances, c'est une catastrophe. À ce que j'ai pu voir dans une semaine, logiquement. Une semaine et demie. Quand on aura fini les travaux, ce serait cool. Ça y est. C'est rebouché, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche en espérant que Marley. Bon, après, c'est pas trop grave s'il y a des traces de pâte dedans, mais faut pas qu'il appuie trop, quoi, en fait. Parce qu'il va avoir le réagréage au-dessus, donc c'est pas trop grave, mais bon. Là, je suis en train de faire le repas. Encore de la grande cuisine ce soir. Paella. Paella surgelée. Bye Marie. On verra. En fait, je suis en train de sélectionner les plats congelés, tout faits, qu'on aime à peu près, on va dire. Vous voyez, les plats industriels, que ça va, ça passe. Donc la brandade de morue, la paella, je trouve que c'est les moins pires. Tout ce qui est avec des pommes de terre, on n'aime pas. Et quand c'est avec des pâtes, je pense que c'est la même chose. Les pâtes sont un peu pâteuses et tout, donc on n'aime pas trop. Donc voilà, ce soir. Et demain, ça va être encore pire. Demain, je pense que ça va être des sandwichs. Demain midi, parce que avec la poussière de placo, je pense que Greg, demain, ponce la première couche. Et ensuite, il met la deuxième couche. Et on verra commencer à avancer pour mettre la deuxième couche, mais on avancera peut-être un petit peu sur le liseré. À voir. On verra. Ça dépend comment on a avancé sur la deuxième couche. Parce que sans mine de rien, il y a quand même pas mal à faire en enduit. Ça prend du temps quand même. Hop. Bon, même si la deuxième couche, il y a moins de travail que la première, mais... Ou plus, ouais, c'est ça. Et puis comme on veut mettre de la peinture, faut vraiment que les murs soient nickel, quoi, en fait. Hein. Parce que comme Greg vient de dire, je sais pas si vous l'avez entendu, il a dit plus chiant, c'est le ponçage. Donc... surtout pour vous. Moi, encore. Bah... Tu as des baguettes dedans. Bon. Alors, dans la paella, je vais rajouter du chorizo. Il veut passer. Je vais rajouter du chorizo. Greg me dit, au cas où elle est pas bonne, le chorizo, comme le goût est assez fort du chorizo, il va cacher le goût de la paella. En fait, c'est au niveau des épices. Ce midi, on a mangé des crêpes farcies. Elles étaient fades. Limite, on aurait rajouté du sel de sucre, en fait. Franchement, elles manquaient de goût. C'était... Enfin, bref. Après, même ça, hein, c'est les trucs les moins pires en surgelé, je trouve. On sélectionne un petit peu. Mais... Hein? Quoi? Et quoi? Bah oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit comme j'ai dit. On sélectionne les trucs qui allaient moins pires en surgelé. Bah, arrive un moment, on va tourner en rond, hein. Bah, on mangera la même chose. Bah, on va manger. On a fait un petit... pour éviter que Marley marche dedans. Bon, après, comme je vous ai dit, c'est pas grave s'il y a des traces de pas, hein, puisque après il y aura le réagréage. Mais je suis fatiguée, moi, ce soir, là. Pouh. Je dis à Greg, là, j'aurais bien pris un petit spa, là, pour dénouer un petit peu le dos et tout. Mais, fait pas beau. Et il pleut. Il arrête pas. C'est une horreur. Aujourd'hui, franchement, c'est la pire journée de la semaine, j'ai l'impression. Parce qu'encore dans la semaine, on a eu de la pluie, mais il y avait des éclaircies entre deux. Mais là, c'est vraiment grosse pluie non-stop. Bon, allez. J'aurais pas filmé beaucoup aujourd'hui, mais bon, il y avait beaucoup de, entre guillemets, de travail long. Donc, je pense que... Ouais, je sais pas si la vidéo va être très, 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 très longue. Je regarde en même temps les enduits. Et demain, ponçage, ça sent la fin, comme Greg dit. Un petit peu à la fois, on n'a jamais été aussi près du but. Un petit peu à la fois, ça arrive. Allez, je vous fais des bisous. On va manger. Alors elle a vachement réduit la paella. Greg a pris deux sachets et heureusement, parce que je me dis un seul sachet, je pense que c'est pour des dents creuses, quoi, en fait, hein. Enfin voilà, nous un seul sachet et on mange à deux dessus, quoi, en fait, hein. C'est vraiment petit. Bon, après elle a l'air d'être bonne, hein. Enfin, ça a l'air d'aller, quoi. Ça a l'air d'aller.
Quel bordel aujourd'hui dans la maison. En fait, on a dû débarrasser la buanderie pour faire le joint, enfin le contour au niveau de la de l'arcade. Donc du coup, ça se retrouve ici. Ah, j'appréhende quand même un petit peu demain parce qu'il va y avoir la poussière. Demain, ça va être corsé en poussière. Faut pas oublier de protéger le canapé et tout. Hein. Faut essayer de protéger le maximum, quoi, en fait. Bah, le maximum. Ici, peut-être, comme ça, tu vois, dessus. Mauvaise passe. Après, ça sera bien. Allez, on se focalise sur le résultat. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. You were always there for me and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, cause we bring each other down right now and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye.